Le 511e régiment du train ne s'est installé ici qu'après la guerre. Mais Auxonne est une ville de garnison depuis 10 siècles et son plus célèbre occupant à ce jour, c'est Napoléon, alors lieutenant. De ses jours, le premier il y a 230 ans, en 1788, pendant plus d'un an, avant de repartir en Corse. Nous sommes sûrs et certains qu'il y a logé. Et lorsqu'il reviendra dans son second séjour, de février à juin 1791, il sera accompagné par son frère Louis, futur roi de Hollande et père de Napoléon III. Louis, qui dormira dans l'antichambre sur une paillasse, et Napoléon Bonaparte, son frère, qui dormira dans ce lit. Et la visite publique s'arrête là, mais pas pour nous. Premier trésor, les 7000 livres et documents de la bibliothèque, accès réservé, et là encore, souvenir de Napoléon, mais cette fois empereur. Nous avons ici un document où l'empereur annonce à l'archevêque de Troyes la victoire éclatante remportée à la bataille de Friedland. J'avoue que lorsque nous venons en réunion, souvent, les gens arrivent un peu en avance et partent un peu en retard et profitent de 5-10 minutes dans la salle pour regarder un ouvrage. Inédite aussi ces images de la salle d'honneur et son architecture particulière liée à son ancienne activité de poudrière avec les souvenirs des missions du régiment. Le gymnase, ex-manège à chevaux et sa charpente monumentale. Un patrimoine difficile à entretenir comme la tour du Cygne, 16 mètres de haut, 6 de diamètre, épaissie au fil des siècles pour résister aux tirs de canon. L'usage de cette tour était à vocation défensive avant tout. Au cours des années, est devenue une des salles d'instruction et désormais un lieu de visite à des privilégiés. Dernier lieu à découvrir en avant-première, un bâtiment ancien, mais celui-ci tout juste rénové et bientôt très fréquenté, c'est la future salle de restaurant.